Eh bien, bonjour à tous et à tous. C'est Doakin06A. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Cars 3, course vers la victoire sur Wii U. Donc, il vient juste de sortir aujourd'hui. Donc, on va pas perdre de temps. On va commencer rien que pour cette vidéo découverte. Mettez un like à cette vidéo, franchement. Commentez aussi si vous avez aimé le jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir. Donc, c'est parti. Donc, je vous laisse avec la petite cinématique. J'ai rêvé de ce moment toute ma vie, et j'y suis enfin. Allez, monsieur McQueen, voyons ce que vous valez. Doc et Smokey sont rapides, alors essayez de les suivre. N'oubliez pas, seule la technique compte. Et ces deux-là en ont à revendre. Tenez-vous prêts. Ah, donc là, on joue. C'est vraiment magnifique. C'est fabuleux de voir Thomasville d'ici. Donc, A, c'est pour faire un dérapage. Donc ZR pour accélérer. Donc à mon avis c'est ZL pour freiner. Il y a tant de choses à apprendre rien qu'en les regardant. Voyez, vous pouvez y arriver comme vous avez appris à déraper. Oui, ça fait drôlement plaisir. Ok, bon, pour l'instant, on va dire c'est facile. River Scott, il était grand temps que tu te montres. Waouh, River Scott, c'est trop génial. Donc, pour l'instant, le jeu est très bien. Il n'y a pas de bug. Faut sauter là. Très bien, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Tâchez de reproduire leur mouvement. Ah. Ok, donc là on est dans le circuit. Désolée si je parle pas trop. Donc ça y est. Le jeu est juste super. C'est vraiment incroyable. J'en reviens toujours pas de la puissance de ces simulateurs. J'ai vraiment eu l'impression de faire la course avec Doc. Waouh, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Bon, préparez-vous pour un autre choc surgit du passé. Allez, prêt, ça va être fantastique dans le monde de la course. Après la pub, nous passerons dans la file véhicule pour retrouver le vétéran Flash McQueen et discuter de sa décision inconsciente de continuer sa carrière. Hey McQueen, merci de passer nous voir. Inconsciente? Très bien, je vous l'accorde. Le vieux 95 a toujours une bonne cote, sans qu'on sache pourquoi. Oh, moi je sais, les fans adorent les grands retours. Les grands retours? C'est hilarant. Non, ce qui captive le plus les spectateurs, ce sont les bons gros accidents. Et vous vous y connaissez, n'est-ce pas Nathalie? Eh bien, il y a quelques points noirs dans tes statistiques, Flash. D'après mes chiffres, je dirais... Vous voyez, c'est vraiment ça le problème, Nathalie. On ne peut pas se fier exclusivement aux chiffres. La course est quelque chose qu'on doit ressentir et vivre sur le terrain, n'est-ce pas, Cruz? Oui, c'est vrai. J'ai appris quelque chose de Monsieur McQueen. C'est que le talent compte autant que la vitesse. Intéressant. Jackson Storm, un commentaire. Loin de moi l'idée de corriger un vétéran et son entourage. Une seconde, on est à l'écran? Toujours. Ah,
Et vous toujours aussi vite. Alors, comment dites-vous, Jackson? Prêt à faire la course avec ces deux-là? Quand ils veulent, Jake. Et pour rester fair play, je leur laisse le temps de se préparer. Je veux dire, ils feront plusieurs courses jusqu'à ce que Nathalie confirme que leurs statistiques sont passables. Passables? Eh, je t'ai battu une fois, Jackson. Et je peux très bien recommencer. Oh, alors ça, c'est de la télé. J'envoie mon équipe sur place pour mesurer leur absence de progrès et nous sortirons l'artillerie lourde dans le simulateur du studio. Suivez la nouvelle saison de votre émission préférée avec Chick Hicks, qui vous présente la course McQueen Storm avec McQueen, Storm et Crew. Ici Nathalie Certain. Si vous êtes sur cette course, vous êtes en bonne voie pour affronter... Donc ici, d'après ce que je sais, il y a 136 défis. Et le tableau que vous voyez là vous informera chaque fois que vous réaliserez une prouesse remarquable. À ce propos, visiblement, vous vous en sortez déjà très bien. Nouveau défi gagné. Donc, validé. Ok. Donc, on a eu un défi Panthéon. Terminé ce défi et devient le plus grand pilote de tous les temps. Ok. Donc, on va quitter. Et je pense qu'on va... faire donc on va faire des courses. Attention, Flash va bientôt s'élancer. Donc on peut prendre soit Flash McQueen. Allez, commençons à faire la course. Soit Cruz, soit Martin, soit Sally, soit Ramon et soit Guido. Donc à mon avis, on va prendre Flash McQueen pour la première course. Donc ça c'est quoi? Effet de lumière, turbo. Ah, pour commencer. C'est parti. Donc première course. Donc il y a des véhicules, ils ont l'air vraiment sympas. Hein. Bienvenue à Fireball Beach les amis. La soirée s'avance. Donc c'est parti. Et je vous le dis, l'excitation est à son comble. Nous sommes à quelques instants du départ de la course. Et dans quelques années, vous vous souviendrez avec émotion d'avoir été présent. Tu veux que j'étais Nick Lavoie, véhicule là? Ok, c'est parti pour la course. Donc, d'après ce que j'ai compris, il faut rouler là-dessus pour avoir du turbo. Faut prendre les trucs comme ça aussi. Donc d'après ce que j'ai vu aussi, on peut se mettre en arrière. Donc quand vous conduisez en arrière, bah, vous êtes vraiment en arrière. Donc ce que je veux dire, c'est que vous conduisez à l'envers en fait. Donc on peut se tromper. Donc apparemment c'est assez compliqué. Ah, ici il y a un truc là. Ah, donc les acrobaties aériennes, c'est R. Donc on peut rester aussi plus longtemps en l'air. Pour quand on est en... Comment ça s'appelle? Ah. Donc, vous voyez, là, je me suis mis en arrière. Je me moque pas de toi, je rigole. À cause d'autre chose. Eh, hey, les amis, qui en fait la bonne. C'est presque de la haute voltige. J'ai pris du turbo et j'ai fait un défi en plus. Ça va, ça va. Personne n'aime les fanfarons. Sois pas triste quand je gagne, je suis un professionnel. Pour les acrobaties aériennes. Ah, tu maîtrises la question. Donc là, c'est... Donc on conduit à l'envers. Donc j'ai le turbo à 100%. Mode invincible.
Donc j'aurais eu plusieurs défis dans cette course, donc c'est cool. Non! Ah, il y a deuxième tour, ça va. Mince. Bon, j'ai fini deuxième. C'est dommage. Donc, on a débloqué une course. Donc là, je fais juste A pour les, gagner, en fait. Hein. Ça y est, on a débloqué un nouveau véhicule. Donc je pense qu'on va peut-être prendre Cruise. Donc, ah, on a débloqué un autre véhicule encore. Donc oui, on va prendre Cruise, mais il faut retourner au menu principal. Donc je vais retourner au menu principal et je vous retrouve juste après. Ellipse. Re, on se retrouve. Donc ça y est, j'ai pris Cruise. Pour la deuxième course. Ah oui, d'après ce que j'ai vu, là, Mac, donc le camion rouge, il est bien aussi. Eh, mais il y en a deux de Flash McQueen. Donc ça y est. Donc on a Cruise. Waouh. Donc là pour B, nickel. Bon, par contre, je suis pas très bon pour les dérapages. Mince. Bon, je suis 9e. Ok, donc on a le turbo, on est au deuxième tour. Donc là aussi, je suis en difficulté normale. Donc ça va, pour l'instant je gère plutôt bien. Donc ouais, rouler à l'envers c'est vraiment chaud. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment chaud. En général, je juge assez bien les voitures. Et toi, tu n'inspires pas confiance. Quelqu'un a oublié de faire sa sieste matinale? Ok. Okay, je suis deuxième. Je suis sixième, mais bon, ça va, y'a. Que je suis sixième. Non.
Bon, faut avouer quand même que le jeu est très difficile. Attends, je suis en difficulté normale. Ah, quatrième, c'est pas bon ça. Bon, bah c'est bien dommage. Donc on a débloqué une nouvelle course. Et on a fait deux défis. Donc on a déverrouillé aussi la série de coups. C'est pour ça que j'adore la course. Grand spectacle en direct et rebondissement à tous les tournants. J'ai hâte de voir la prochaine. L'émission se termine et comme on dit, nul ne peut battre Chickix, alors pourquoi essayer ? À demain les amis. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi pour ne rien manquer. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye bye.